Bonjour à tous, c'est Bi61 et aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau Walkthrough. Donc comme vous pouvez le voir, c'est marqué Fahrenheit. Donc ça vous dit peut-être rien, ça dépend si vous avez suivi ou peut-être si vous avez retenu, surtout parce que j'en ai parlé un petit peu mais sans plus. Dans Heavy Rain, je vous avais parlé justement un petit peu de ce jeu-là. Donc tout simplement, Fahrenheit c'est le jeu que le studio qui a fait Heavy Rain et Beyond Two Souls a fait avant justement de faire Heavy Rain, puisque ça c'est un jeu qui est sorti à l'époque sur PS2. Donc je vais vous faire ce walkthrough là. Donc je vous fais une petite présentation vite fait. Donc l'éditeur c'est Atari, donc le développeur Quantic Dream. Il est sorti le 16 septembre. Pourquoi je dis 11 septembre? Je pense peut-être à l'attentat, je sais pas. Pourtant c'est pas de 2005, c'est en 2001 même. Je sais pas. Et déconseillé au moins de 16 ans. Donc c'est un jeu de type aventure, mais vu que c'est un jeu un petit peu particulier comme Heavy Rain, on pourrait appeler ça un petit peu un thriller, comme ils appellent ça déjà, un thriller paranormal, voilà. Alors hop. Donc je vais vous lire un petit truc avant de commencer, parce que normalement je devais le faire sur PS2 ce jeu là, mais je voulais le faire sur émulateur, vous savez, pour que ça soit plus joli. Sauf que j'avais enregistré le premier épisode et en fait ça buguait tellement que je me suis dit bon, laisse tomber. Je vais essayer de trouver la version PC sur internet, j'ai réussi à la trouver. Je l'ai téléchargé, puis bah du coup je vous ferai le jeu sur PC. Mais je vais essayer de paramétrer ma manette PlayStation, parce que hier je l'avais fait, j'avais fait des tests, ça marchait bien. Et aujourd'hui, je sais pas pourquoi, ça y est, la machine ne marche plus, je suis obligé de tout reparamétrer, donc je vais le faire avec vous. Mais juste avant, je vais lire un truc qui était dans le manuel du jeu, donc de la boîte PS2 de Fahrenheit. Que je devais déjà vous lire sur Heavy Rain. Alors c'est vrai que la boîte de jeu c'est Fahrenheit, vous allez dire pourquoi j'aurais dû en parler dans Heavy Rain. En fait c'était justement pour vous parler un petit peu du studio Quantic Dream et leur vision du jeu vidéo, enfin de ce qu'ils font dans leur jeu, et ça je trouvais ça assez sympa à dire. Donc je vais vous lire ce petit texte et puis après on va commencer. Alors, introduction à Fahrenheit. Depuis l'année de la 3D temps réel, j'ai toujours eu envie de créer des jeux vidéo. Cette technologie a permis d'ouvrir un vaste champ de possibilités et offre un nouveau mode d'expression que l'on peut pousser jusqu'à ses limites. C'est devenu pour moi un moyen d'explorer de nouveaux horizons et je me suis senti dans la peau d'un pionnier du cinéma au début du XXe siècle qui essaierait de maîtriser les bases d'une nouvelle technologie tout en sachant qu'il reste tout à inventer et notamment une nouvelle forme d'expression à la fois narrative et visuelle. Donc tout ça, ce que je vous dis, en gros, c'est David Cage qui l'a écrit. Hein. Donc c'est un petit peu le patron du studio, on va dire. Ensuite, pour être tout à fait honnête, les 10 années qui suivirent n'ont pas répondu à toutes mes attentes. J'avais l'impression que les jeux vidéo n'exploitaient qu'une infime partie de leur extraordinaire potentiel créatif, car ils ne se contentaient que sur l'action en négligeant un aspect fondamental de toute expérience humaine, l'émotion. Et parallèlement, la technologie ne faisait que progresser de plus en plus rapidement. Fahrenheit est ma contribution à la transformation des jeux vidéo en une véritable forme d'expression qui véhicule des émotions. Les solutions que je propose ne sont pas les seules, mais le grand mérite de Fahrenheit, c'est de poser de vraies questions et d'offrir des réponses concrètes. Ce jeu démontre qu'il est possible de créer une véritable expérience interactive qui ne se résume pas à tuer des monstres dans les couloirs et à casser des caisses pour trouver des munitions. Ça c'est marrant, ça me fait un petit peu penser à Resident Evil 4. Pourtant ils sont sortis la même année, mais bon je pense pas que ça implique envoyé à RE4, hein, parce que ça m'étonnerait quand même. Mais c'est assez marrant je trouve. Il démontre qu'il est possible de concevoir une expérience plus riche et plus profonde. Il démontre qu'il est possible de raconter une histoire et de jouer sans sacrifier ni l'aspect interactif, ni l'aspect narratif. De toute façon, vous l'avez très bien vu de ce côté-là sur Heavy Rain, hein, c'était d'un côté très scripté, mais voilà, ça, c'est parce que c'était voulu pour le scénario et on a l'impression de regarder un film en même temps, quoi. Donc que vous soyez un joueur aguerri ou occasionnel, j'espère que vous apprécierez l'expérience que j'ai eu envie de partager avec vous. Si vous n'appréciez guère les jeux vidéo, j'espère que Fahrenheit vous aidera à changer d'avis. J'espère aussi que d'autres tenteront d'explorer cette nouvelle voie narrative en lui apportant leur inspiration, leurs talents et leurs ambitions. Donc ça, c'est invite les autres développeurs à faire des jeux dans le même genre. Nous n'en sommes qu'au balbutiement de l'interactivité, il reste tout à inventer. Ces deux dernières années, Fahrenheit a pris une grande place dans notre vie en s'avérant une véritable aventure humaine et intellectuelle pour toute l'équipe de Quantic Dream. Une expérience qui nous a poussé à remettre en question de nombreux principes que nous tenions pour acquis. Je me considérais comme un satisfait si mon jeu
comme un livre, pardon, un film ou une musique vous laisse une impression durable. David Cage. Voilà. Donc comme je disais au premier enregistrement, bah moi je suis entièrement satisfait puisque comme je vous ai dit, pour moi déjà Heavy Rain c'est un jeu qui m'a marqué, tout comme Fahrenheit c'est un jeu qui me marque et je m'en rappellerai longtemps plus tard quoi. Donc on va démarrer du coup, on finit le blabla. Donc je vais aller dans les options, paramétrer tout ça puisqu'ils ont décidé de me faire chier. Parce que ça c'est chiant, j'avais fait tous les paramètres hier et puis hop, faut tout recommencer. Hop. Donc niveau de difficulté, je vais mettre comme Heavy Rain parce que en fait, vu que Fahrenheit est sorti avant, je vais souvent comparer à Heavy Rain parce que j'ai fait Heavy Rain avant, hein, mais dans l'ordre des sorties, c'est d'abord Fahrenheit qui est sorti. Hein, il est sorti en 2005, Heavy Rain, je crois que c'est 2009 ou 2010, faut pas oublier. Mais il y a beaucoup de similitudes au niveau du gameplay, c'est très proche. Il y a des studios des fois qui changent carrément de style de jeu, que là c'est très proche au terme du gameplay et de la narration. Les graphismes en moins, évidemment, parce qu'à la base c'était de la PS2, bon là c'est du PC, mais c'est la même époque quoi. Donc c'est un petit peu différent. Donc ça c'est bon. Oh putain, non, j'aurais pas dû aller là, mais appuyer sur échappe. Voilà. Langue, voilà, sous-titres, très important, parce qu'il y a des fois c'est un peu juste, on a du mal à entendre ce qu'ils disent. Donc moi je vais changer, je vais mettre manette. Ça veut pas changer. D'accord. C'est bizarre ça. Normalement, ça doit reconnaître ma manette. Hier, ça l'a fait direct. Ça me plaît pas trop ça. Donc ça, c'est bon. Donc on va augmenter un petit peu ça. Parce qu'avec avec le rendu et tout, ça a toujours tendance un petit peu à assombrir l'image. Puis c'est tout je pense. Bah il y a quand même la manette là, j'allais louper ça. Si je peux pas jouer à la manette, j'ai quand même un clavier là en dessous. Mais le clavier c'est très bruyant, puis j'aurais bien aimé jouer à la manette comme sur PS2 quoi. Donc c'est un petit peu bizarre. Bon, on va rester comme ça je pense, tant pis. On verra bien, c'est la première fois que je joue avec le clavier comme ça à distance. Parce que là, je suis pas en face de mon PC, hein, je suis toujours en face de ma télé avec les rallonges et tout. Donc, comme je vous ai dit, j'avais un clavier en double et tout pour faire mes captures, je m'en sers. Mais bon, jouer comme ça, là, sur les genoux, ça va pas être terrible, mais bon, on verra bien. On va se débrouiller comme ça. Donc, on commence par le tutoriel, et vous allez voir que c'est plutôt sympa, puisque c'est David Cage qui nous apprend carrément à jouer. Bonjour, je m'appelle David Cage. Je suis le scénariste et le réalisateur de Fahrenheit. Je vais rapidement vous expliquer deux ou trois petites choses avant de commencer. Je vous présente mon ami Bob. C'est lui que vous allez contrôler pour vous entraîner. Commençons par quelque chose de simple. Déplacez-vous jusqu'à la marque au sol. Allez, c'est parti. Donc utilisez... Ah oui, en plus, ces flèches-là, c'est même pas AZERTY. C'est pas du tout ergonomique, quoi. Enfin, AZERTY ZQSD, quoi, le grand standard pour les jeux en général, sur PC évidemment. Ouais, donc ça, je pense que je vais pas tarder à modifier, je vais même le faire maintenant parce que là, ça va pas le faire sinon. Contrôle, ça veut toujours pas changer, je sais pas pourquoi, hier ça l'a fait direct et puis là. Donc, ouais, ça on va changer parce que là ça va pas le faire. Donc, flèche gauche, tac, tac, tac. Tac. Et par contre le reste, on va essayer de rester comme ça, puis on verra bien si ça marche ou pas. Hop. Ah, c'est déjà mieux quand même. Par contre pour courir, ça marche comment? J'ai pas fait attention ça. Maintenir en faussant les boutons gauche et droite de la souris pour avancer. Ah oui, on peut aussi avancer avec la souris. Ah oui, ça c'est pas bête par contre. Mage enfoncé. Ouais. Bah j'appuie sur la touche mage. Parfait. Maintenant vous savez comment vous déplacer. Vous allez aussi devoir observer votre environnement. Vous aurez la possibilité de contrôler directement les caméras. Allez-y, essayez. Maintenez en bouton droit de la souris, déplacez votre caméra. Bon ça va, c'est pas dur. Hop. C'est bon. Vous pouvez aussi regarder autour de vous et voir exactement ce que vous voulez voir.
Alors, bouton gauche de la souris pour prendre. Ah oui, d'accord, ok. Il y a un petit déchirement de l'image au niveau du milieu de l'écran. Ça ce sera peut-être pas visible pendant le. Avec le rendu et tout, mais moi je le vois clairement quand on fait un défilement comme ça. Ouais, c'est bon, là, je pense. C'est des fois si on fait pas tout à fait ce qu'il veut, ils sont pas trop d'accord. Bon, voilà, j'ai fait les paramètres que je voulais. Malheureusement, je peux pas utiliser la manette, elle veut pas être reconnue. J'ai débranché, rebranché. Hier, j'ai rien fait du tout parce que je la laisse tout le temps branchée celle-là. Et je fais rien du tout, elle marche très bien. Et là, j'ai essayé de faire quelque chose, elle marche pas. Donc, c'est pas chercher à comprendre. Donc, du coup, j'ai reparamétré un petit peu pour que ça soit un peu plus pratique pour moi. En espérant que ça soit pas gênant pour le Wakfu. Mais vous ne ferez pas que regarder dans Fahrenheit. Vous allez aussi devoir interagir avec votre environnement. Allez vers la porte. Voilà, donc il y aura pas mal d'interactions comme ça, similaires un petit peu à Heavy Rain. En fait, si vous voulez, globalement, on peut dire qu'Heavy Rain, c'est la Vous suite. voyez ce symbole en haut de l'écran? Il vous indique le mouvement que vous devez exécuter pour accomplir l'action. Faites-le doucement pour bien sentir que vous contrôlez directement le bras de votre personnage. Vous essayez? Parfait. Maintenant qu'on sait se déplacer, utiliser les caméras et interagir avec l'environnement, on va passer aux choses un peu plus sérieuses. Fahrenheit comprend des séquences d'action où votre personnage va risquer sa vie. Il vaudrait mieux que je vous explique, avant de vous lâcher dans le vide. Là, je peux parler enfin. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah putain, merde, j'ai oublié. Oh. Je sais plus ce que je voulais dire. Bon, je vais quand même rebondir sur ce qu'il vient de dire. Donc, oui, par rapport à Heavy Rain, dans ce jeu-là, on peut mourir. Il y a. Enfin, dans Heavy Rain, on peut mourir, mais si vous voulez, ça vous marque pas game over, recommencer la partie, quoi. C'est. Le scénario s'adapte à la fin. Au pire, tout le monde est mort, c'est tragique, mais on a terminé le jeu tragiquement, quoi. Que dans ce jeu-là, par contre, il y a réellement des game over, mais on peut aussi remanier un peu le scénario à sa convenance. Et il y a beaucoup de choix comme ça qui sont un peu similaires à Heavy Rain. Donc, par contre, Fahrenheit, je le connais beaucoup moins qu'Heavy Rain. Donc, je pourrais pas vous dire si vous me posez des questions, si on fait ça avec ce perso, qu'est-ce qui se passe, machin, quoi. Moi, je vais vous faire mon histoire à moi, et puis voilà, quoi. Donc, on va aller là-bas. Donc, oui, je sais même plus ce que je voulais dire avant, mais tant pis. Par contre, ouais. Faut que je m'habitue avec la caméra. Quand ce symbole apparaît tout en haut de l'écran, cela signifie que votre personnage va devoir fournir un effort physique. Vous allez voir, vous allez être aussi fatigué que lui. Alors appuyez sur Q et D. Ah oui, donc d'accord, faut spammer quoi. Donc ça par contre c'était quand même plus ergonomique sur la manette, puisque c'était les gâchettes L1 et R1 que là, spammer les deux boutons Q et D avec les deux doigts, enfin. C'est pas aussi ergonomique qu'une manette, quoi. Hey, pas mal. Maintenant quelque chose de plus difficile. Vous allez être confronté à toutes sortes de dangers dans Fahrenheit. Il va vous falloir du sang-froid et des réflexes si vous voulez vous en tirer. Voyons comment ça marche. Oh, mais c'était bon, hein. Ah oui, mais c'est vrai, il y a les deux peut se ronds. passer si vous manquez de réflexes. On essaye. Ah, donc vous voyez, on peut clamser, c'est des espèces de QTE comme ça. Voilà, là c'est bon. Putain, ça va être chaud sur le clavier à gérer. Voilà. Ouais, ça sera vraiment galère à gérer sur le clavier. Ok, je vois que vous avez compris. On va maintenant pouvoir passer à autre chose. Vous aurez la possibilité de choisir ce que vous voulez dire dans les dialogues de Fahrenheit. On va essayer. Que pensez-vous de mon ami Bob? Alors, Bob, on va dire qu'il est pas mal, parce que sexy, je ne suis pas encore Hey Bob, homosexuel. t'as entendu ça? Bon, je vois que vous avez compris le fonctionnement des dialogues. Dans Fahrenheit, vous n'aurez qu'un temps limité pour choisir ce que vous voulez dire. Alors, réfléchissez vite. Maintenant, parlons de votre santé mentale. Dans Fahrenheit, vos actions modifient l'état psychologique de votre personnage. Chaque fois qu'il est modifié, ce symbole apparaîtra à l'écran. Prenez soin de votre personnage. Sinon, il pourrait bien sombrer dans la dépression, la folie, ou même se suicider. Ah, j'allais oublier quelque chose. Dans Fahrenheit, vous allez contrôler tous les principaux protagonistes de l'histoire. Faites attention. Chacune de vos actions va avoir des conséquences sur le déroulement du scénario. Alors un bon conseil, réfléchissez avant d'agir. Voilà, je vous ai dit tout ce que je savais. Enfin, presque tout. Il y a encore beaucoup d'autres choses à découvrir. Mais je vous laisse la surprise de les trouver par vous-même. C'est maintenant à vous de jouer.
Soyez prudent. Vous entrez dans un monde où tout peut arriver. Et voilà, c'est parti pour la vidéo d'introduction. Donc je ne parle pas, puisque notre héros va décrire un petit peu ce qui se passe. Les choses sont très différentes de ce qu'elles paraissent. On croit avoir compris le monde qui nous entoure, mais on n'en voit que la façade, les apparences. Avant, j'étais comme vous. Je croyais en l'humanité, aux journaux, à la pub pour la lessive, à la politique, aux livres d'histoire. Un jour, le monde vous saute à la figure, et vous n'avez pas d'autre choix que de voir la réalité telle qu'elle est vraiment. Je m'appelle Lucas Kane. Mon histoire est celle d'un type ordinaire, auquel il arrive quelque chose d'extraordinaire. Peut-être que c'était écrit. Peut-être que c'était mon destin, mon karma, je ne sais quoi. Une seule chose est sûre maintenant. Rien ne sera plus jamais comme avant. Tout a commencé ici, où d'autres auraient pu arriver. New York, la capitale de l'univers, l'échiquier choisi par le destin pour jouer la partie finale. Je n'étais qu'un pauvre pion menant sa vie de pion, jusqu'à cette nuit où ma vie sombra dans le chaos. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne voulais pas. C'était comme un rêve. Vite, il faut que je sorte d'ici.
avant que quelqu'un n'entre là-dedans. Allez, c'est parti. Donc nous, on va pas trop perdre de temps. Je vais juste me laver les mains pour pas trop être suspect, on va dire. Mais après, je vais pas m'embêter à... Parce qu'il y a plusieurs choix possibles, hein. Comme je vous ai dit, c'est un peu comme Eviren. On peut faire plein d'interactions avec le décor et tout. Mais voilà, moi je vais faire le mec qui est vraiment en panique et qui est innocent, point barre. Parce que sinon, je vais paraître pour être... Enfin, si vous imaginez par exemple que je cache le cadavre, que je nettoie et tout, ça risque de me poser des problèmes. Donc je préfère m'en aller. Monsieur ? La serveuse. Elle a remarqué quelque chose. Je suis perdu. Hé, hey, monsieur, votre note ! Il faut que je quitte le quartier avant que la police n'arrive. Il y aura beaucoup d'angles de vue comme ça, enfin avec plusieurs caméras, un petit peu comme Eviren, quoi. De ce côté-là, comme je vous ai dit, hein, je vous dis toujours comme Eviren, mais encore une fois, Eviren est sorti après, mais vu que je l'ai fait avant, c'est logique. Que personne ne sorte! Un crime vient d'être commis. Je vais vous demander de garder votre calme et d'attendre l'arrivée de la police pour le contrôle de vos identités. Brooklyn, s'il vous plaît. Doc Steiner, c'est là. Mais pourquoi est-ce que les gens attendent toujours que je sois de service pour s'entretuer en plein milieu de la nuit ? Tyler, il y a des meurtres tous les jours à New York. Ouais, surtout quand je suis de service de nuit. C'est comme si tous les malades de cette ville le faisaient exprès. Si tu veux râler, fais-le à l'intérieur, comme ça, ça m'évitera de mourir de froid en t'écoutant. C'est toi le patron, Carla. Voilà, donc maintenant on incarne... Deux nouveaux personnages, donc des flics. Donc je vous laisse ce dialogue, de toute façon ça explique tout seul la situation. En 5 ans dans la police, j'en avais vu des homicides. On ne s'habitue jamais à la mort. On apprend à vivre avec, c'est tout. J'ignore encore aujourd'hui si c'était la fatigue, le froid ou autre chose. Mais je me rappelle très bien le sentiment de malaise qui s'est emparé de moi en entrant dans ce restaurant. Comme si une partie de moi savait que cette fois, quelque chose était différent. Allez, c'est parti. Je sais pas s'il y a des choses à dire à notre coéquipier, non, pas pour l'instant. Salut, McCarthy. Bonsoir, Carla. Je t'attendais. Salut, Tyler. Ça gaze, Martin ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Homicide. J'ai trouvé un corps dans les toilettes. J'y allais avant de rentrer chez moi. Alors, c'est parti, donc vous voyez, il y a une barre, hein, donc on n'a pas trop le temps de réfléchir. Est-ce que quelqu'un a remarqué quelque chose ? Non, personne n'a rien vu. On a un suspect ? Un seul client est sorti avant que je trouve le corps. En plus, il est parti sans payer. Kate a essayé de l'appeler, et il s'est enfui. À quelle table était assis le suspect ? Il était assis à cette table, là-bas. C'est bien la serveuse, là-bas ? Oui. Kate Morrison, j'ai pensé que tu voudrais l'interroger. Et si je peux me permettre, vas-y doucement, Carla. Elle est encore en état de choc. Il y avait d'autres clients dans le restaurant au moment des faits ? Oui, deux autres types. Je les ai laissés partir. J'ai pris leurs coordonnées au cas où tu voudrais les interroger. Merci pour ton aide, Martin. Il est tard. Je crois que tu peux rentrer chez toi et aller te coucher. Je vais attendre que tu aies fini avec Kate si ça t'ennuie pas. Je préfère la raccompagner chez elle. Voilà, alors appuie sur F à tout moment, oui. Donc ça, c'est moi qui ai choisi F, comme ça, c'est un peu plus ergonomique. À ce moment, on ne savait encore rien. On pensait juste qu'il faisait froid, vous voyez ? Si j'avais su, je serais sûrement resté dans mon plumard cette nuit-là. Et j'en serais pas sorti avant que tout soit terminé.
Si on savait à l'avance comment les choses vont tourner, on bougerait jamais de chez soi. Donc vous voyez, de la manière dont c'est raconté, c'est comme si il revenait dans le passé et il nous racontait l'histoire, quoi. Donc nous, on va manipuler Carla pour l'instant. Donc voilà, il y a des changements de personnages, un petit peu comme Heavy Rain. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, il y a un autre truc. Ah merde, j'ai complètement oublié. C'est chiant parce qu'à chaque fois, je me dis oui, il faut que je dise ça après le dialogue et j'oublie à chaque fois. Ça me reviendra sûrement après. Salut Gareth, salut Frank, ça va les gars? Salut Carla. Salut Carla. Alors, vous avez trouvé quelque chose? On a fait quelques prélèvements ici et là. On a pratiquement terminé. On vous attendait pour embarquer le corps et remballer. Ok, on va jeter un œil. Donc on peut voir qu'il y a quand même un gros travail, même si le jeu, bon, graphiquement, il est quand même pas mal pour l'époque. C'est pas non plus l'un des meilleurs jeux, enfin les plus beaux jeux sortis à cette époque-là. Mais il y a quand même un travail fourni, surtout sur les détails des personnages, au niveau de leur animation. Et on voit clairement déjà à cette époque-là, le studio Quantic Dream, ils faisaient vraiment énormément d'efforts de ce côté-là. Si vous regardez bien, il y a des fois, c'est peut-être subtil, parce que forcément, c'est moins beau, il y a moins de polygones, donc c'est peut-être un peu moins marqué par rapport à Heavy Rain ou peut-être Beyond Two Souls. Mais on voit qu'au niveau du visage, des fois au niveau des animations de la bouche, on voit bien qu'au niveau des joues et tout, ça fonctionne. Que des fois, il y a des jeux où la bouche bouge, mais il y a le reste du corps reste figé. Donc ça fait... On s'habituait à ça en tant que joueur à l'époque. Mais là, on voit qu'il y a quand même un effort de ce côté-là. Au niveau des yeux aussi, quand ils froncent les sourcils... Ils froncent les sourcils. Il y a plein de trucs comme ça, des petites mimiques comme ça. C'est assez détaillé, c'est plutôt sympa. Pour l'instant, il n'y a rien d'autre à voir. Donc nous, on va fouiller la table du suspect. Tiens, il y a une fourchette, mais pas de couteau. Un livre, La Tempête de Shakespeare. Si c'est à lui, c'est pas courant comme lecture pour un assassin. Gareth, il y a un bouquin sous cette table. Tu peux vérifier les empreintes? Ce sera fait, Carla. Tiens, tiens, le café n'est pas sur l'addition. Une tasse de café et un soda. Bizarre. Un accro à la caféine? Ou alors il n'était pas seul? Faudra que je pose la question à la serveuse. Donc voilà, je crois que c'est tout. Donc on va questionner un petit peu la serveuse maintenant. En y allant mollo, évidemment, parce qu'elle reste quand même sous le choc. Kate? Je suis l'inspecteur Carla Valenti. Je vais m'occuper de cette enquête. Ça ne vous ennuie pas de répondre à quelques questions? Non. Allez-y. Vous pouvez me parler de ce client qui est sorti juste avant qu'on découvre le corps? C'était un type normal. À vrai dire, je n'ai pas vraiment fait attention à lui. Vous connaissiez bien la victime? John était un habitué. Il venait tous les lundis. Il commandait toujours la même chose et il laissait un bon pourboire. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait pu entrer? Non, je ne pense pas. On ne peut entrer que par la porte de devant. Si quelqu'un d'autre était entré, je l'aurais remarqué. Qu'est-ce que cet homme a fait avant le meurtre? Oh, il était là depuis un moment. Il lisait un livre, je crois. Le livre sous la table, c'était donc bien le sien. Est-ce que vous savez si la victime avait des ennemis? Des gens qui auraient pu vouloir sa mort? John était gentil et sans histoire. Je ne vois pas qui aurait pu vouloir le tuer. Est-ce que John était seul? Il a parlé à quelqu'un? John venait tout seul. On a discuté un peu. Le froid, son boulot, les sujets habituels. Il ne parlait jamais à personne d'autre. Il y avait une tasse de café à sa table. Est-ce que vous vous rappelez si c'est lui qui l'a commandé? Du café? Non. Non, je suis sûre qu'il n'a pas commandé de café. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre à la table du suspect? C'est curieux. Je n'arrive pas à me rappeler. Je me souviens très bien de lui, mais
mais je ne sais plus s'il était avec quelqu'un ou pas. Vous pouvez me dire ce que vous avez vu. Il n'y avait pas grand monde ce soir. C'est toujours assez calme en semaine. Je discutais un peu avec Martine au bar. Je n'ai même pas vu John se lever. Oh mon Dieu. Il faut que vous soyez forte, Kate. Je sais que ça a été un choc pour vous, mais vous êtes la seule à pouvoir nous aider à retrouver le suspect. Mon service était presque terminé. Je discutais avec Martine au bar. John s'est levé, il est allé aux toilettes. L'homme l'a sûrement suivi. Quand il a voulu sortir, j'ai remarqué qu'il n'avait pas payé sa note. Je me méfie, parce que ça arrive souvent par ici, les types qui partent sans payer. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Le type s'est enfui en courant sans payer. Ce n'est que quand Martine a découvert le corps que j'ai compris. Vous avez remarqué quelque chose de bizarre chez John ce soir ? Est-ce qu'il avait l'air stressé ou inquiet ? Non, il était exactement comme d'habitude. Il a même plaisanté quand il est arrivé. Vous pensez que vous pourriez reconnaître le suspect ? Je n'oublierai jamais ce visage. Parfait. Est-ce que vous pourriez venir au poste de police demain ? Pour nous aider à établir un portrait robot du tueur. Oui, je ferai tout ce que je peux pour vous aider à le retrouver. Merci beaucoup pour votre aide, Kate. J'espère que vous allez retrouver ce salaud. Des gens comme ça, ça ne mérite pas de vivre. Je vous le promets, nous allons tout faire pour le retrouver. Rentrez chez vous et essayez de dormir un peu. Martine va vous ramener chez vous. Donc un dialogue assez long quand même. Donc ça c'est pareil, hein, dans Eviren c'était un petit peu la même chose. Donc voilà, quand il y a des phases comme ça où ça parle beaucoup, hein, c'est normal. Alors, par contre, il faut que je m'habitue à la caméra. Ça c'est pour l'orienter. Et ça normalement, si on faisait clic droit, il me semble qu'on pouvait tourner autour. En restant appuyé, mais non, ça veut pas. Ça, c'est un peu gênant, hein. Des fois elle est un peu mal foutue. Donc on va aller voir le cadavre évidemment. C'est important parce que c'est quand même un meurtre à l'origine. Donc lui, Tyler ne fait pas grand chose à côté de nous, mais il faut savoir que quand on peut le manipuler, on peut faire des trucs avec lui. Donc du coup, il va pas bosser tout seul comme un grand, c'est à nous de le faire. Et du coup, ça participe évidemment à l'enquête s'il fait son travail ou pas, quoi. Plusieurs blessures au niveau du thorax gauche, dans la région du cœur. Ça ressemble à des coups de couteau. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? Ah oui, donc il y avait l'arme du crime qui était là. Pas de trace de lutte. On dirait que le type s'est fait avoir par surprise. Un couteau de table couvert de sang, certainement l'arme du crime. Le meurtrier s'est servi de son couvert pour poignarder la victime. Ça voudrait dire que le meurtre n'était pas prémédité. Tyler ! Vérifie que Garrett a bien relevé les empreintes sur le manche du couteau. Et qu'il prélève aussi le sang sur la lame. Ok. Pourquoi il y a du sang ici ? T'as trouvé quelque chose ? Possible. Je ne comprends pas pourquoi il y a du sang à cet endroit. Ben, ce n'est pas celui de la victime ? Pas logique. Demande à Garrett de l'analyser. On aura la réponse. Voilà, donc là on va prendre le contrôle de notre pote. Donc on peut voir aussi donc l'état, hein, donc là il est en neutre, et on peut être anxieux, stressé et compagnie. Donc ça en fait c'est un petit peu une jauge de vie, hein, donc comme l'a dit David Cage dans le tutoriel. Si on... Ah oui c'est vrai, c'est F. Est-ce que tu sais si quelqu'un a prévenu la famille ? Pas que je sache. Ah d'accord, j'ai pigé. Je m'en occupe. Donc voilà, je disais, si on fait pas attention à cette barre de vie, entre guillemets, si le mec sombre dans la dépression, David Cage a dit qu'il pouvait se suicider. Personnellement, j'ai jamais été jusqu'à ce stade-là, parce qu'il faut vraiment le vouloir, mais peut-être que ça arrive, je sais pas. S'il le dit, c'est que ça doit être vrai, mais vu que j'ai jamais essayé, je peux pas vous dire comment ça se passe. Bizarre. Quoi ?
Ben, il a toujours sa carte de crédit et 100 dollars en cash. Le meurtrier n'en voulait pas à son fric, on dirait. Bon, allez, on va bosser un petit peu avec Tyler. Tyler, c'est un petit peu le black cool qu'on voit un petit peu dans tous les films. Donc c'est un petit peu cliché, mais bon, ça, c'est plutôt sympa. Ça change de Carter Blake dans Heavy Rain, non, qui était coéquipier de Norman Jayden, un vrai crevard. Donc là, on peut dire que le coéquipier est plutôt sympathique. Allô ? C'est moi. Tu t'es déjà rendormi ? Tyler ? Quelle heure est-il ? Oh merde. Quand est-ce que tu rentres ? Je vais pas tarder, chérie. Attends-moi bien au chaud et je serai là à ton réveil. À tout à l'heure. Coup de téléphone à sa copine. Bon, ça c'était encore une fois, tout ça c'est optionnel. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire de... Donc déjà on va dire de faire des analyses et tout. Hé, hey, Garrett, Carla voudrait que tu vérifies deux ou trois trucs. T'en fais pas, vieux. Je t'ai déjà tout noté sur ce papier, comme ça, t'oublieras rien. J'étais sûr que Carla nous laisserait pas aller nous coucher comme ça. T'as l'air claqué, Tyler. Ouais, c'est mon troisième service de nuit à la suite. Vous connaissez, les mecs. Si j'ai pas mes 8 heures de sommeil, je suis un vrai zombie. Bah, vous devriez pas en avoir pour trop longtemps. Tu connais pas Carla. Elle est capable de garder tout le monde jusqu'au petit déjeuner. C'est de loin la gonzesse la plus obstinée que je connaisse. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Voilà, on peut s'asseoir. On va faire un petit truc assez marrant, je trouve, avec Tyler. C'est mettre de la musique. Vous allez voir pourquoi. Tyler, tu peux éteindre ce truc? On est sur les lieux d'un meurtre. D'accord, d'accord, je pensais que ça détendrait un peu l'atmosphère. Ok, j'éteins. Ouais, je vais le débrancher avant que Carla pète un câble. Vous voyez, c'est subtil hein, les animations, mais là on voit Carla qui agite légèrement la tête en se disant « mec, voilà quoi ». C'est subtil les animations parce que voilà, c'est époque oblige, mais on voit qu'elles sont là quoi. Ça participe quand même à bien au jeu. Donc là, je crois qu'on a à peu près tout fait. Je vais reprendre Carla. S'il reste un truc à faire, il y a peut-être quelque chose à dire avec... On va la switcher, tiens. Tac. Tyler est mon coéquipier depuis presque un an. Il a grandi avec les gangs dans le Bronx avant de décider de rejoindre la police. Il est souvent imprévisible, mais c'est un type bien. Voilà, fait un petit profil de Tyler, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu as trouvé quelque chose, Tyler? Pour ça, faudrait que j'arrive à garder les yeux ouverts. Merci pour ton soutien, Tyler. Voilà. Donc on va courir un petit peu. Et on va aller Tyler, à l'extérieur. Je vais jeter un œil dehors. Si vous vous en rappelez, il y avait un mec un petit peu chelou quand on s'est barré avec, avec Lucas. Et le mec qui avait un bonnet là, avec une espèce de truc de veste verte américaine. J'ai l'impression que c'est un mec de l'armée mais à la retraite. Mais apparemment qui a mal fini puisque c'est un SDF apparemment. Bonsoir monsieur. Oh salut poupée. Je peux quelque chose pour toi. Il fait pas chaud, hein? Heureusement, j'ai ça pour me réchauffer. T'en veux un coup? Je m'appelle Carla Valenti. Et vous? C'est quoi votre nom? Mon nom? C'est quoi déjà mon nom? Personne ne m'appelle jamais. Alors, à force, j'oublie. Ah! Oh, oh! Bogart. Mais les copains m'appellent Bogart. C'est parce que je ressemble à ce type dans les films. Ok, je vais y aller. Essayez de trouver un endroit chaud.
Soyez prudents. Ça, c'est pas cool, parce que j'avais d'autres questions à poser, mais je vais retenter ma chance. Non, on peut plus rien lui dire, ok. Je vais lui demander quand même s'il a vu quelqu'un. Mais bon, tant pis. À moins que là, il va se réveiller, je sais pas. Apparemment, non. Bah, dommage pour moi. C'est ballot. J'ai un peu foiré le truc. Donc on va retourner par là, puisque de l'autre côté, en fait, on pouvait pas y aller, parce que c'est fermé, en fait. On peut l'ouvrir que de l'intérieur. Donc c'est pour ça que je suis obligé de repasser par là pour rentrer. Et puis, bah, je crois que ça va être bon. On a à peu près tout fait. Enfin, à peu près. Je pense que c'est bon, quoi. J'ai rien dû louper. Je vais quand même parler au gars, là-bas, vite fait, mais... Je pense que c'est bon. Ouais. Donc on va y aller. Hop. T'es prêt à y aller, Tyler? J'ai fait le tour de ce que je voulais voir. T'es sûr? On peut encore jeter un coup d'œil, si tu veux. Non, c'est bon. On peut rentrer. Ok, on se tire. Il est temps de retourner à la voiture. Je suis crevée. Allez. Hop. Donc nous on va s'arrêter là, juste après le chargement quand on va changer de perso, parce que ça fait une sauvegarde, donc vu que c'est des sauvegardes automatiques là-dedans. Le truc bien flippant. Donc nous on s'arrête là, donc quand même là ça fait 2 secondes, enfin même pas, une microseconde on va dire, vous avez peut-être vu un petit truc rouge pendant le chargement, ça veut dire que ça sauvegarde, mais vu que là c'est un petit peu différent, parce que vu que je suis sur PC, bah le truc il s'affiche à peine, que sur PS2 ça reste quand même longtemps. Donc on va pouvoir s'arrêter là, donc bah j'espère que ça vous a plu pour l'instant. Donc c'est un petit peu différent des V-Rain, parce que bon, il n'y a pas que le côté évolution graphique, il y a aussi un autre truc, c'est qu'au niveau du scénario, comme je vous ai dit, c'est un thriller paranormal, et il y aura beaucoup de choses surnaturelles. Donc là on en a déjà vu un bon paquet, donc on se dit voilà, le gars a des visions, il y a un autre mec qui a l'air de le manipuler à distance, on sait pas trop, comment ça se passe pour l'instant. Mais là encore ça reste soft, et c'est peut-être un petit défaut au jeu, pour moi. C'est que justement, vers la fin du jeu, ça sera plus soft du tout, ça sera carrément extrême, complètement abusé même. Et c'est tellement abusé qu'à la fin du jeu, tu te dis complètement « what the fuck, qu'est-ce que ça fout dans le jeu ?» Et c'est un petit peu le défaut, quoi. C'est qu'au début, ça démarre bien, enfin au début, même la moitié du jeu, quoi. Et c'est vraiment la fin, il y a des séquences de combats que vous verrez, c'est très... Si vous connaissez Dragon Ball, l'univers Dragon Ball, bah ça s'y rapproche un peu à certains moments et c'est un peu cheaté, quoi. Et bon, je spoil pas plus, mais c'est un petit peu ça, du coup, qui baisse un petit peu la note globale du jeu, parce que ça reste un bon jeu. Bon, personnellement, je préfère quand même Heavy Rain. Ça reste un très bon jeu, celui-là. Mais voilà, à la fin, ça se termine un peu de manière chelou, quoi. Enfin, c'est pas que ça se termine mal, mais c'est... ce qui se passe dans les cinématiques, c'est un peu chelou, quoi. Donc voilà, donc je vous laisse là. N'hésitez pas à commenter ce premier épisode. Et puis on se retrouvera donc pour l'épisode 2 prochainement. Allez, à plus !